Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à une introduction de la voiture. Ouais, dehors il pleut et l'introduction se fait à l'abri. C'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, je vous présente un petit musée que je ne connais pas, donc la découverte sera en même temps que vous. Un musée des arts sur l'imaginaire. J'attends qu'il arrête de pleuvoir, puis oula, que ça se calme, et puis on y va. Bienvenue sur Explolise. Alors, c'est la première fois que je viens ici et forcément il pleut. Logique. Donc on est sur un musée d'art et d'imaginaire, forcément. Il y a énormément de sculptures, il y a énormément d'artistes qui exposent ici. Et il y a vraiment de quoi en prendre plein les yeux. D'ailleurs, tu dis bonjour? Non? Il peut dire bonjour. Non, franchement, et la lumière, c'est vraiment, vraiment beau, quoi. Si vous aimez l'art et les spectacles, c'est pour vous. Vraiment, c'est pour vous.
Dans ce musée, il y a environ 88 artistes qui exposent. Un tiers breton, deux tiers du reste du monde. Et il y a énormément de choses totalement bizarres, totalement cheloues, qui font bosser l'imagination. Et franchement, ça change de l'histoire. Alors, ça là, ce qui est là, on peut jouer avec. Alors, on peut jouer avec respect, donc doucement, avec des petites manettes qui sont là, là. Hop, elles sont là. Et en fait, on actionne une petite manette. Et il bouge. C'est classe, non? Ensuite, donc, il y a deux mouvements. Il y a donc le corps qui s'est levé. Et après, il y a la tête. Qui se... Enfin, la tête, je sais pas ce que c'est. Les crochets là. Ben, avec ça qui crochette. C'est super classe. Donc l'expo c'est aussi dehors, et pas que dedans. Donc il y a quelques tableaux extérieurs, quelques architectures extérieures autour d'un arbre, d'un gros châtaignier, magnifique. Il y a un souterrain aussi dans le musée. Donc là, je ne vais pas vous montrer ce qui est dehors parce qu'en fait, waouh, je pourrais, hein. Je vais garder ça pour moi. Ah ouais, ça c'est super classe. Ouais, si je disais tout, si je montrais tout, c'est pas, je vois pas l'intérêt finalement de tout montrer si vous ne venez pas voir par vous-même. C'est assez classe, très belle sculpture. C'est vraiment glauque, hein. Des fois c'est vraiment super glauque. Ah, elle est bien celle-là. Elle est très très bien. Je vais vous montrer juste un petit bout. Voilà, je vous montre juste ça. Après vous démerdez pour venir voir la suite. À l'heure, je disais qu'environ il y a environ 88 artistes qui présentent leur travail ici, qui exposent leur travail ici, dont un tiers de la Bretagne. Et en fait, dans ces un tiers, j'en connais quand même beaucoup. Avec qui, soit je connais de loin, soit je connais de très très près. Ben non, c'est les copains quoi. Et des copains qui exposent et des gens que je ne connais que de loin. Voilà, donc c'est plutôt cool. Mais ça mérite de venir. Donc
faut venir, et puis il y a ça aussi. Je sais pas si on voit. Il y a un souterrain, vraiment souterrain, on va s'amuser, tiens. On va faire un tour, allez. Là on est dans un souterrain, donc là c'est vraiment sympathique. On est accueilli par les petites lumières. Oh excellent. Hey, alors je vais faire un gros plan là-dessus. Le musée se trouve en fait dans le château médiéval de Rochefort en Terre. Apparemment, il y aura un deuxième château beaucoup plus récent, mais là, je suis sur le deuxième château, enfin, château médiéval, si j'ai bien compris. Oh. Là, franchement, c'est cool. Donc en fait, il y a l'ambiance de base, en fait, il y a l'ambiance... Oh, putain! Ah ouais, ça par contre, c'est... mais c'est génial! Putain, on est bien là! Vache. Donc forcément cette sculpture, cette grosse sculpture, je vais pas vous la montrer, donc c'est à découvrir aussi. Elle est monumentale, elle est vraiment très très belle. Donc en fait j'apprends que... Donc c'est Naya Museum, et j'apprends que Naya était une sorcière bretonne, dite sorcière bretonne, à Rochefort en Terre. Et en fait elle aurait vécu un petit peu dans ce château. D'où son nom. Là, j'apprends même de l'histoire pendant que je fais quelque chose de non historique, c'est bien. Je trouve ça sympathique. Donc là je vais remonter. Je viens ici. Il pleut, je repars, il fait beau. C'est bien. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, c'est cool. Venez faire un tour ici. N'hésitez pas à venir. Tout est en description, une fois de plus. Merci beaucoup à Patrice pour m'avoir ouvert le musée. Enfin, m'avoir ouvert. C'était ouvert, hein, mais un avis plus personnel. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que j'aime bien ça. J'aime bien avoir du monde. En tout cas, maintenant, on va repartir à la bagnole. Pour continuer le chemin. Donc à bientôt, à une prochaine et bonne journée. Salut.